L'homme intéressé par ma fille est milanais. Nous partons là-bas, si le portrait lui plaît. Vous partirez. Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Avec une idée simple, en vérité. Elle a refusé de poser. Il n'a jamais vu son visage. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Parce qu'elle refuse ce mariage. Vous allez devoir la peindre sans qu'elle le sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours. Elle s'est réjouie. Vous me direz direct curieuse? Comment est votre jeune maîtresse? Je ne sais pas trop, je la connais peu. Mais vous êtes ici depuis 3 ans? Elle n'est là que depuis quelques semaines. Où était-elle? Chez les bénédictines. Elle a quitté les ordres? On l'a sortie du couvent. Parce que sa sœur est morte. C'est elle qui devait se marier. La maladie l'a emportée? Non. Vous pensez que vous allez y arriver? Arriver à quoi? À la peindre. Votre mère est d'accord pour que vous sortiez seule demain. Vous serez libre. Être libre, c'est être seule. Vous ne croyez pas? Je vous dirai demain. Je vais aller à la messe. Vous voulez communier? Je veux entendre de la musique. L'orgue, c'est beau, mais c'est la musique des morts. C'est la seule que je connaisse. Vous n'avez jamais entendu un orchestre? Non. Oui. Racontez-moi. Ce n'est pas facile de raconter la musique.